Salut les amis, je m'appelle Diman et bienvenue sur ma chaîne. Vous avez faim? Pas de problème. Aujourd'hui, on va préparer la soupe de poulet. Qu'est-ce qu'on a besoin? Du poulet, d'oignons, des carottes, des pommes de terre, des pâtes, des épices, d'huile. C'est tout. C'est un plat très simple et vous pouvez le préparer très rapidement. Ainsi, on utilise des produits pas chers. Mais ce plat est très délicieux et très copieux. C'est parti. D'abord, il faut faire bouillir l'eau dans une casserole. Lorsque l'eau bout, on met du poulet. Ensuite, on met les épices. D'habitude, je mets des feuilles de laurier et des pois de poivre noir. On laisse la casserole avec du poulet environ 20 minutes. Maintenant, la chose la plus importante, des pommes de terre. Je suppose que c'est la partie principale de toute la soupe. Il faut les couper en petits cubes. Petits pour se préparer plus vite. On les met dans un bouillon. On coupe l'oignon en petits cubes, n'importe quelle taille. Personnellement, je préfère que les cubes soient assez gros. Mais vous pouvez faire comme vous voulez. Après avoir épluché les carottes, on prend une râpe. Si vous n'avez pas d'une râpe, vous pouvez couper les carottes en petits cubes. On prend une poêle. Il faut frire des légumes, des carottes et des oignons. On place les poêles sur la cuisinière. On attend qu'elle chauffe. On ajoute l'huile dans la poêle et on attend qu'elle chauffe aussi, environ 20-30 secondes. On ajoute des oignons et on frit un peu. Ensuite, on ajoute des carottes râpées. Faites attention, il ne faut pas de les cuisiner à 100%. Il faut frire juste un peu. On mélange. Vous voyez, les légumes sont devenus un peu dorés et moins brillants. Il est temps de terminer la friture. On les ajoute au bouillon. Pour rendre la soupe plus copieuse, il faut ajouter un peu de pâte. N'oubliez pas de saler et d'ajouter d'autres épices. Mais on les met dans le bouillon vers la fin de la cuisson, environ 10 minutes avant la fin. On mélange tous les ingrédients. Ça fait 10 minutes. Salutations, on peut manger. La soupe est prête. Bon appétit. On met un peu de verre, juste pour la beauté. Je pense que la soupe semble très belle. Bon appétit. Alors, on répète tous les ingrédients. Du poulet, d'oignons, des carottes, des pommes de terre, des pâtes, des épices. Écrivez vos conseils et recettes dans les commentaires. Et si vous aimez ma vidéo, abonnez-vous à ma chaîne. À bientôt.